J'ai demandé une attaque aérienne. Ils vont lâcher du napalm sur toute la région. Gump, tu restes ici. Putain de merde, c'est un ordre. Il faut que j'en retrouve. Bomba. Et chaque fois que je revenais chercher Booba, quelqu'un d'autre me disait « Aide-moi, Forrest, aide-moi !» J'entends plus. T'inquiète pas, reste allongé par terre, tu passeras bien. Je commençais à avoir peur de ne jamais retrouver Booba. Merci, Rafford. Je sais que ma position est près du danger. On trouve Charlie dans tout le coin. Je devrais avoir mon intervention aérienne maintenant. Terminé. Hey, lieutenant Dan, Coleman est mort. Je sais qu'il est mort, imbécile. Toute ma putain de section est décimée. Ah, putain. Qu'est-ce que tu fais? Là, laisse-moi ici, fous le camp. Laisse-moi ici, fous le camp. Arrête. Je te dis, laisse-moi ici, putain de merde. Et puis tout à coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'a piqué. Il y a quelque chose qui m'a piqué. Sale fils de pute de vieille. Je peux pas laisser ma section. Je t'ai dit de me laisser ici, merde, gamme. Oublie-moi, essaie de sauver ta peau. T'entends ce que je te dis? Pose-moi par terre, nom de Dieu. Sauf tes fesses, crétin! Mais je t'ai pas demandé de me tirer de là, putain de merde! Où est-ce que tu vas comme ça? Cherchez Booba! J'ai demandé une attaque aérienne! Ils vont lâcher du napalm sur toute la région! Gump, tu restes ici! Putain de merde, c'est un ordre! Il faut que j'en retrouve! Booba! Bien, Forrest. Je vais bien. Bah, non. Non, je vais très bien m'en sortir. J'avais su que c'était la dernière fois qu'on parlait, Booba et moi, j'aurais pensé à dire quelque chose de mieux. Hé, hey, Booba. Hey, Forrest. Forrest. Pourquoi c'est arrivé? Tu t'es fait descendre. Et là, Booba a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Je veux rentrer chez moi. Booba était mon meilleur ami. Et même moi, je savais que ça se trouve pas à tous les coins de rue. Booba aurait été un grand capitaine de crevettiers. Au lieu de cela, il est mort au bord de ce fleuve au Vietnam.